Hello les gens! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le petit appartement. Et vous verrez au fur et à mesure l'aménagement et cette espèce de bébé là. C'est qui ce petit bébé? C'est qui? Bientôt une vidéo spéciale sur lui. Allez, on commence la visite. Donc, pièce totalement inintéressante, mais très importante, le dressing. Donc là, il y a toutes mes affaires que j'ai mis là. Et là, c'est tout ce qui est encore à trier. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas du tout droit. Donc tout ça, ça va changer. Mais voilà, là c'est... c'est bazar, arrangé, pas fini. Là, on a la petite entrée avec la petite bouboule, là. Voilà, le petit coin entrée. Et on va suivre Stichy, où on arrive dans le salon, avec le coin canapé qui a été raboté à gauche parce qu'il n'y avait pas l'espace. On a accroché des petites décos au mur, avec la petite licorne là-haut et des photos. Là, vous avez le petit coin cheminée avec quelque chose de très très important, la caisse à outils. Après, bah là, c'est l'espace salon, hein, donc Stacy est devant la télé. Voilà, le monde de la télé. Hey, welcome. La beauté. Ici, la petite cour sympathique où il fait beau. Et puis là, bah, le meuble que vous connaissez, mais avec des petites étagères à côté, des plantes. Là aussi, des petites plantes, tout ça, tout ça. Mon magnifique panier à sac. Ensuite, on suit Stacy qui nous amène dans la cuisine. Yes. Voilà, donc cuisine qui n'est pas encore terminée parce que du coup le frigo va encore bouger de place. Mais en gros, là il y a le coin frigo, le coin miam miam, l'évier. Et puis là on a des placards. Hop. Tadam. À manger, à boire, tout ça. Et puis là il y a encore des placards et tout. Donc ça c'est cool, il y a pas mal de rangements. La caisse à chacha minou avec de la litière rose qui n'a pas été utilisée. Et pourquoi elle n'a pas été utilisée? Non, pas parce que les chats ne font pas caca, parce que petit chaton a décidé qu'il ne ferait pas caca dans la caisse rose et il allait faire caca dans le sac à Geoffrey. Ouais, laisse un pouce bleu si toi aussi tu aimes le caca dans le sac à Geoffrey. Et là j'entends Geoffrey qui est en train de râler, en train de dire ouais, qu'est-ce qu'il est en train de dire au sac à caca là, sur la balle en train de parler de caca. Ensuite, la petite salle de bain qui est en travaux. Donc vous voyez, avant tout était vert comme ça. Coucou. Et c'est en train de devenir gris clair. Donc c'est pour ça qu'il y a encore du scotch, parce que là il n'y a que la première couche qui a été passée. Il va y avoir la deuxième couche, mais ça va être beaucoup plus sympa. Le rideau pour l'instant est là-haut. On peut le détendre quand même. Tadam. C'est quand même plus sympa avec un petit rideau. Et là la machine à laver qui pour l'instant est là mais qui n'est pas branchée, qui sera branchée une fois que cette espèce de bidet là aura disparu. Et là j'ai accroché donc mes petits cadres qui étaient dans le salon avant. Ici j'ai mis la table de l'entrée, il y a encore un peu de bazar là, de rangement. Et là on arrive avec les garçons. Coucou les garçons. Coucou. Et ça se cache. C'est eux qui ont bien travaillé puisque c'est eux qui ont monté le meuble là. C'est eux qui ont monté ça, ça, ça. Bon, en fait tout. C'est eux qui ont tout monté. Donc voilà, donc là mon lit est revenu dans le setup puisque mon lit est là. Et ils sont en train de jouer à Fortnite au calme. Voilà. La vie est belle, donc ça veut dire qu'il y a quand même une connexion si ça joue à Fortnite. Est-ce que ça bug? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que j'ai pas la fibre pour l'instant. Je n'aurai malheureusement la fibre que le 13. Et en attendant d'avoir la fibre, on a la 4G. Sauf que, comme je suis totalement entourée de plein d'immeubles, ben on a la 3G. Et encore. Et encore. Et encore. Et donc la 3G pour règle des vidéos et pour les uploads, c'est le gros, gros chachaminou. Donc pour l'instant, bah, je suis obligée de faire des vidéos comme celle-ci, c'est-à-dire de règle avec mon appareil photo. Et ensuite de l'upload sur plusieurs heures. 5 ou 6 heures ou 7 heures. Pour pouvoir vous poster la vidéo. Donc si jamais vous voulez avoir du let's play, c'est pas que j'ai pas envie d'en faire, c'est que pour l'instant je ne peux pas. J'ai tout dit. Hein, Stacy, j'ai tout dit. Bah oui, voilà. J'ai tout dit. Juste avoir ça, tu vois. Ah. Du coup, bah, on fait des gros bisous. J'espère que ce petit room tour vous a plu. Calicie est cachée, hein. Calicie, elle est partie faire dodo, elle est toujours là. Mais je pense qu'elle est sous le lit. C'est possible. C'est possible. On va voir. Calicie. Oh. Bah, c'est qui là? C'est qui? C'est qui ce petit cul? Sur ma robe. C'est qui ce petit cul sur ma robe que j'ai rangé? Ce serait pas une Calicie par hasard? Après, je dis ça, je dis rien. Bon alors, bébé. Qui est là? Bah oui, sinon on te montrait pas, mon moumoune. En fait, au calme, elle est sur ma robe que je suis censée mettre au mariage de ma mère. Merci. Merci. Bah oui, on est carrément mieux sur une robe de soirée que sur un canapé, sur un lit ou sur un endroit à chat. Parce qu'il y a quand même
deux paniers à chat dans la maison, plus un petit panier comme ça coussit, plus des coussins, plus le lit. Mais non. On se met là, on se met en plein milieu, mon doudou. Oui. Mais bon, la vie est belle. Alors l'entente pour l'instant des deux chats, c'est pas la fête. Donc j'attendrai qu'ils s'entendent un petit peu mieux pour vous les mettre vraiment tous les deux. Parce que pour l'instant, ça se crache un peu dessus. Calici, elle a clairement dit c'est ma maison, j'ai envie d'avoir la paix. Et lui, il a clairement dit, moi je viens d'arriver, je me sens très très à l'aise, j'ai envie d'avoir la paix. Donc pour l'instant, Calici a mis son territoire dans la chambre. Et petit Chacha Minou a mis son territoire dans le salon. Et la cohabitation se fait. Voilà. Et ben en tout cas, d'énormes bisous et à très bientôt. Ciao.